Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Riquebus, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale avec les TCC, la méthode ACT et aussi d'autres outils comme la radiesthésie, l'EFT ou les libérations karmiques. J'accompagne les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour pouvoir les aider à s'en libérer en profondeur afin de faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si ça fait un moment où vous me regardez, si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, eh bien je vous invite à demander votre appel gratuit de 30 minutes, l'appel Libération, où vous avez un questionnaire à remplir qui me permettra de mieux vous connaître. Vous avez le lien donc dans la description juste en dessous. Et moi je prendrai contact avec vous pour qu'on puisse réaliser cet appel, voir eh bien dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers soit de l'accompagnement haut de gamme, soit des programmes en ligne, donc en fonction de votre situation personnelle tout simplement. Donc on pourra voir ça ensemble. Avant même de traiter du sujet de la vidéo qui est de manger en pleine conscience, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, ainsi vous pourrez recevoir les notifications qui vous avertiront dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui, le titre de notre vidéo, c'est « Comment manger en pleine conscience pour maigrir ?» Alors vous le savez, je n'aime pas trop le terme « pour maigrir », mais comme c'est souvent une question qu'on me pose, eh bien j'y réponds et je vais vous donner donc trois points, trois façons en fait d'adapter la pleine conscience à votre alimentation pour vous aider à perdre du poids, à maigrir. Si poids il y a à perdre, c'est-à-dire si à la base votre alimentation, votre comportement alimentaire n'était pas adapté à vos besoins actuels. Je ferme la parenthèse, mais cette précision est importante parce qu'encore une fois, il n'y a pas de remède miracle. Tout doit être adapté à chaque personne puisqu'on est tous différents. Le premier point donc, c'est que la pleine conscience, elle va vous permettre d'être dans l'instant présent et donc de pouvoir être connecté aux signaux de votre corps, aux signaux corporels, et donc de pouvoir tout simplement écouter vos signaux de faim et de satiété pour vous adapter à vos propres besoins. Encore une fois, tout est une question de personnalisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes besoins à l'instant T de la voisine, et même de jour en jour, vous n'avez pas les mêmes besoins, et donc seul votre corps connaît à la calorie près, à la quantité de vitamine C près, vos besoins à l'instant T. Donc la pleine conscience, le fait d'être dans cet instant présent va vous aider justement à rentrer en communication avec votre corps et donc à adapter vos besoins à l'instant T. Le deuxième point, c'est que la pleine conscience, encore une fois, cet instant présent va vous permettre de choisir qui écouter entre votre corps, votre mental, votre cœur, puisqu'il ne s'agit pas d'écouter à 100% tout le temps le corps. Il ne s'agit pas non plus d'écouter à 100% tout le temps le mental ou le cœur. L'idée, c'est de trouver un équilibre, une harmonie entre les trois. Et encore une fois, cette définition de l'équilibre, c'est la vôtre, c'est à vous de la trouver et elle peut changer aussi au cours du temps. Il y a des moments où vous aurez plus besoin d'écouter votre mental parce qu'il a aussi son mot à dire, d'autres moments le corps, d'autres moments le cœur, mais ça c'est à vous de le décider. Pour pouvoir le décider, il faut pouvoir reprendre les rênes et pour reprendre les rênes, il faut être consciente de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre en place telle chose, être connecté à ses valeurs. Donc on a besoin d'être dans l'instant présent pour avoir conscience de ce qu'on fait, pouvoir choisir consciemment et se sentir responsable de ses actions, ne plus être en mode pilote automatique finalement. Le troisième point, c'est donc de travailler avec cette pleine conscience pour vous aider à accueillir et accepter vos émotions, les fameuses émotions qui peuvent vous faire manger ou en tout cas qui vont favoriser, hein, catalyser, hein, j'utilise souvent le terme de ça va comme un catalyseur, ça va accentuer vos crises de boulimie ou de compulsion alimentaire. Donc être dans cet accueil et cette acceptation des émotions, ça va vous apporter plus de bienveillance pour vous-même, plus d'écoute positive. Et du coup, ça va avoir une influence aussi sur les compulsions. Donc, ça va pouvoir réduire les compulsions, soit en termes de quantité, soit en termes de fréquence, soit les deux. Ça va vous permettre de ressentir moins de culpabilité et moins de frustration, qui sont aussi des choses qui
vont forcément favoriser aussi les compulsions. Hein. Tout est toujours imbriqué, vous le savez, donc c'est important de travailler sur tous les plans. Donc voilà, la pleine conscience peut aussi vous aider sur ce volet émotionnel et donc, par ricochet, vous aider à maigrir, encore une fois, si et seulement si vous avez effectivement du poids à perdre et que c'est le bon moment pour vous aussi de perdre ce poids, que le corps n'en a plus besoin, que le message est passé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que les conseils que j'y donne pourraient aider d'autres femmes également. Et je vous invite aussi à mettre un pouce bleu ou un commentaire, ou les deux, si vous avez des questions à me soumettre. Mais le pouce bleu est important pour moi parce qu'elle me permet aussi de rendre la vidéo plus visible et donc de pouvoir toucher des femmes qui ne me connaissent pas encore, qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, pour pouvoir les aider tout simplement, en tout cas si elles ont besoin de moi, de pouvoir les inviter à venir voir le contenu que je vous offre régulièrement au travers de cette chaîne. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre aide et votre soutien et je vous souhaite une très très belle journée. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut !